Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wiki Alien. Oui, ça fait un petit moment, comme vous le savez depuis la dernière vidéo sur l'annonce, je suis en train de bosser sur mon dossier de film. Cependant, il y a quelques complications et il sera envoyé à la deuxième session dans un mois. En attendant, je vous sors enfin cette vidéo. Dans cet épisode, on va donc parler de vos créations, de vos xénomorphes que vous avez vous-même inventés et que vous m'avez envoyés par mail. C'est parti. Le super prêt d'Alien. Ce type de xénomorphe est issu d'une oviposition réussite d'un facehugger sur un superprédateur. Le superprédateur, qui, rappelons-le, est une nouvelle évolution du prédateur apparue dans le film The Predator de Shane Blake en 2018. Ce superprédateur a les articulations des jambes plus développées et plus grand, est capable de manier son exosquelette pour créer une armure sous sa peau, et n'a plus besoin de son casque conventionnel pour analyser son terrain de chasse. Ce super prédalien garde les traits principaux du prédalien, avec ses mandibules et aussi ses récepteurs sensoriels similaires au cuir chevelu des chasseurs. Il est cependant beaucoup plus grand et approche des 6 mètres de haut. Il a bien sûr une queue plus robuste, très similaire au renne alien, et est dépourvu des 4 tubes sur son dos. Ce super prédalien a bien évidemment une intelligence plus développée, proche de celle des humains et des prédateurs, lui permettant de manipuler des technologies et des armes humaines et Yoja. Il n'a cependant pas l'esprit de ruche des xénomorphes et est surtout solitaire. C'est une machine à tuer sans âme. Le xénomorphe serpent. Tout le haut de ce xénomorphe est très classique, avec les 4 tubes présents sur son dos, son long crâne lisse et même ses deux bras. Mais le reste de son corps est une longue queue, il se déplace donc comme un serpent. Il garde les spécificités de l'animal, à savoir du poison, qui est réparti sur différentes parties de son corps, dont ses griffes, et peut envoyer des épines empoisonnées grâce à sa queue. Le gardien. Ce xénomorphe est le produit d'une mutation génétique qui serait arrivée à terme d'une stabilisation. Dans la ruche, il aurait un rôle très spécifique, protéger les œufs et prévenir la colonie si un étranger s'en approche grâce à des phéromones. Il mesure 2,20 m pour 80 kg, ce qui est particulièrement léger. À sa naissance, sa forme de chestbuster reste classique et ne prend pas les caractéristiques de son hôte. Il ira au centre de la ruche pour y entamer sa mutation près des œufs et restera le reste de sa vie immobilisé. Le gardien ne possède pas de bouche, mais fonctionne comme une plante et prélève des minéraux grâce à ses racines. Pour défendre les œufs, il a en sa possession trois armes. Le jet d'acide, conventionnel au xénomorphe, un gaz toxique, et peut libérer de petites créatures appelées arachmorphes qui sont de petite taille et très redoutables grâce à leur venin. Le déphorien. Un xénomorphe croisé entre un prétorien et un défiance. Celui-ci peut courir deux fois plus vite qu'un xénomorphe classique. Il peut attirer ses ennemis en émettant les sons d'un facehugger ou d'un chestbuster. Le déphorien est extrêmement agile et rapide, tout en restant très silencieux. Son rôle est d'assurer la sécurité de la reine et de la ruche. Il n'attaque pas tant qu'il n'est pas sûr que si un étranger est menaçant ou pas. Il reste tout de même imprévisible dans son comportement. Cette caste reste principalement dans la ruche et ne sort que très peu, seulement en cas d'extrême urgence. Lorsqu'il attaque, il surprend sa proie par le bas ou par le haut. Malgré tout, il ne supporte pas les ultrasons. S'il en reste trop exposé, son sang augmentera de chaleur de son corps et finira par exploser. Il est un des candidats les plus susceptibles d'être défini comme successeur pour devenir la future reine en cas de la perte de celle-ci. Le déphorien se déplace généralement en groupe de 10 minimum, il n'est jamais seul, que ce soit en garde ou en attaque, mais aussi pour pouvoir à tout moment développer une nouvelle ruche. Le xénomorphe scolopendre. Ce xénomorphe est le résultat d'une expérience à but militaire. Son objectif est de pouvoir mieux résister au feu et aux armes. Et il atteint bien ses objectifs. Entre le mélange génétique d'un crabe et d'une scolopendre, cela lui donne une résistance accrue. Il a aussi une grande force qui lui permet de porter des charges très lourdes. Il est néanmoins assez lent et préfère se cacher pour attendre sa proie. Le dessous de la créature est aussi moins protégé et en fait son point faible. À cause d'un manque de vigilance, une partie des créatures se sont évadées. D'autres ont été retrouvées, mais un certain nombre d'entre elles restent cachées sur la planète X-1289. Et voilà, cette vidéo est enfin sortie, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, à la prochaine.